Salut, nous sommes jeudi, il est 8h, 8h30 et je m'apprête vu qu'on n'a toujours pas de petit-déj, je vais faire du pain perdu comme je vous disais. Et par contre hier soir Eric m'a dit sur le coup de 22-23h que c'était bon, le site, le drive était débloqué. Donc il a fait, enfin on a fait une commande et on ira le chercher demain. Je pense que ce sera moi, je vous expliquerai pourquoi. Je fais ça et après je verrai les volets. Je le réveille à 9. Ah, il est 8h59. Bon, allez. Donc, on vient passer. Oh, 2 œufs. Descends. On va mettre 2 verres. Non, ça c'est un peu trop. Je vais en mettre comme ça, 2 petits verres. Nickel. Un tout petit peu de sucre. Je vais tremper le pain, donc on n'en a pas, hein, c'est du pain de mie, mais bon. On va voir, ça risque de faire l'affaire, je pense quand même. On l'imbibe bien. Je vais en faire plusieurs. Et puis bah vu qu'on n'a pas de beurre, je vais refaire comme d'hab avec l'huile de coco hein, dans la poêle. Regardez, ils sont beaux quand même. Hein. Tu peux mettre de la confiture, du miel ou du sucre. Je te sors tout, non? C'est bon? Et celui-là, il est beau quand même. Mais l'autre, il se casse. Bon, c'est déjà ça. Il a sa petite tenue. Me voilà prête. Je viens de faire. Mon shampoing, je me suis préparée, il est 12h50 donc je vais pas tarder à manger. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'on avait réussi à faire une commande drive sur les coups de 22h30, donc si vous êtes dans le même truc que moi, essayez plutôt de façon tardive. On pourra aller le chercher demain. Le problème, c'est que je ne veux pas que ce soit Eric qui aille chercher le drive. Je vous explique. Eric se touche le visage, mais 15 millions de fois. Comme il a de l'eczéma et tout, il se rend pas compte. Les yeux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais un truc de dingue, c'est 10 fois, 20 fois plus que la plupart des gens. Donc je lui dis que je voulais, moi, y aller. Il veut pas. Bref. Sinon, on a trouvé... le beurre, il n'y en avait plus. Donc il y avait de la margarine, on va en prendre, ça dépannera. Je voulais de la farine pour éventuellement faire des gâteaux ou des crêpes. Parce que si vous me suivez, j'en avais plus. Il n'y avait que de la farine de blé noir. Pff, non. Et puis surgelé, presque rupture, il y avait quelle... Il y a des choses, mais il n'y avait pas, bon, il n'y avait pas la majorité des trucs qu'on aurait voulu. Voilà, voilà, donc là je vais manger. Après, est-ce que je vais faire un live? Peut-être que je vais faire un live, je sais pas, en fin d'après-midi, vu qu'il n'y aura pas de vidéo ce soir, enfin hier pour vous. Et quoi d'autre? Bah si, peut-être la petite danse ou la petite blague du jour sur Insta. Hein, le truc que j'ai pris l'habitude de faire et qui apparemment vous plaît bien. Vous entendez ou pas? Jack? Bébé? Il tourne tout autour de la table basse. Je sais pas ce que je vais me faire là. J'ai faim ce midi. J'ai très faim. Pancakes, super bon. Hein. Les pancakes, non, les pains perdus. Eric a adoré. Moi, j'en ai mangé qu'un. Parce qu'on sent que c'est... Enfin, que c'est gras. Mais c'est hyper bon et ça marche très très bien. Si vous avez du pain de mie, c'est aussi bien. Au début, je me suis dit, ouais, non, ça va pas le faire. Mais franchement, top. Je vais me faire le reste, il me restait un œuf dur, une galette, chèvre miel et des petits pois. Attends Jack, t'es prêt? Oh. Ah bah voilà, 1 heure plus tard. Il a pas fait son sport ce matin. C'est prêt. Wow. Franchement, c'est... Et voilà. Par contre, aucun effort, il la ramène pas. D'habitude, tu la ramènes. Là, il vient me chercher en mode, tu peux aller? Non, non. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vais rajouter ça et ça sur mon œuf. C'était super bon, ce repas. L'association des 3 éléments, c'était parfait. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à laver. Alors, je m'apprête à faire un TikTok. Donc, soit la danse, soit, comme je vous ai dit... un petit truc un peu humoristique. Je n'ai absolument pas rangé. Parce que comme j'utilise ça tous les jours, je le déplace tous les jours et le tapis. Enfin bon, bref. Mon bureau, pareil. Salle de bain, ma chambre. Je m'organise très mal. Très, très mal. Oh, bah mince. Attendez. Oui. Vous connaissez Un jour, un destin, l'émission. Et bah, pour moi, c'est un jour, un symptôme. Voilà, vous suivez, Eric, il écrit à chaque fois. Donc, ce matin, je me suis réveillée en saignant du nez. Hier, qu'est-ce que c'était? Tout est marqué, hein, tout est répertorié dans le cahier d'Eric.
Hier, il y avait. Ah! Hier, j'avais comme un écoulement gelé dans mon bras. Et bah, le nez qui coule et les yeux qui pleurent. Voilà! Tous les jours. C'est bien. Là, j'ai encore les petits yeux qui pleurent. Tout ça pour vous dire que c'est le fouillis dans ma tête. C'est le bordel. C'est le bordel comme la situation. C'est-à-dire que il faudrait que j'arrive à me dire, voilà, aujourd'hui, tu fais que cette pièce. Parce que là, à commencer un truc à m'éparpiller, et ben au final, je fais rien. Du tout, du tout, du tout. Donc c'est pas gérable à ce rythme-là. Ça, mon bureau, je ne l'ai pas rangé. Ça fait au moins 7 jours, un truc comme ça. Ouais. Et aussi, je reçois, alors c'est bien, mais plein de demandes de partenariat. Plein, plein, plein. Pour recevoir des choses, même en ayant. Mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de recevoir des paquets. Moi, je veux pas toucher aux choses. Hop! Je me suis attachée les cheveux. Je pense que je vais faire un TikTok. Comme je vous dis, je sais pas encore si ce sera. Je vais faire plusieurs trucs. Le truc, il s'est arrêté au 14 mars. Chut, non, c'est ici. Je l'ai pas changé depuis. Tu peux pas t'empêcher, mon Jackie, hein? Mais non, il ne peut pas s'empêcher. Il a entendu que sa maman était là, donc il vient. C'est ça que tu veux? Ah oui, parce que vous voulez pas. Si, je sais plus si vous voulez. Ah, il aime pas. Il aime pas quand on le prend dans les bras. Tu dis bonjour, mon bébé, c'est à tour. Non, non, il est pas content. Voilà, je vous laisse. Voilà, fini le TikTok. Regardez qui m'a rejoint. Il s'est endormi. Trop mignon. Je suis en train d'étendre mon linge. Et il faut aussi que je réponde une fois que j'aurai fini ça aux marques, parce que je reçois plein de demandes de partenariat, donc il faut que je trie, faut que je vois. Je suis descendue pour goûter. Alors la motivation n'est pas du tout revenue, ça fait 4 jours. C'est une catastrophe. Je commence un truc, je sais pas ce qui m'arrive, c'est bizarre. Habituellement je suis au taquet et tout, mais là, il doit être pas loin de 4 heures. Il est discret, et quand il descend les escaliers. Je vais prendre un petit goûter, ça va être infusion déjà sûr, et puis je vais voir ce qu'il y a de sympa à grignoter. Je pense que je vais rajouter un peu de miel hein, au fond, et par contre, qu'est-ce que je vais me faire? Avec moi, je mangerai des tortillas. Ah, j'ai ça qui est sympatoche. Bon, je vais me faire un petit peu de ça, et puis ça ira bien. Bientôt, je vais avoir plein de trucs à vous montrer. Des paquets que j'ai reçus, mais que j'ai mis en quarantaine. Des partenariats, d'autres que. Enfin, si, c'est que des partenariats. Des trucs de ouf. Hein. J'ai des trucs de ouf. Mais j'ai des dates à respecter. Et puis là, avec le confinement et tout ce qui se passe, les marques m'ont donné des nouvelles dates, genre à partir du 4 avril, après le 9 avril. Et j'ai plein de trucs. Plein, plein de trucs. Et comme je vous disais tout à l'heure, je reçois plein de partenariats et de demandes, pardon. Beaucoup de bijoux, mais des beaux bijoux, hein. Très très beaux bijoux. Mais j'ai presque envie de leur dire super, bah on fait ça dans plusieurs mois quand ça ira bien. Mais eux, ils veulent que j'en parle maintenant. M'envoyer les bijoux et tout, mais je suis pas trop fan de recevoir plein de colis, quoi, en ce moment. Je sais pas. 7h30 bientôt, on garde le cap. Je vais faire à manger, je pense des frites avec. Là, je les ai posées, c'est des saucisses de Toulouse, je crois. Moi, je préfère les petites gnocchis, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, pour les frites, j'ai plus de papier sulfure. Mais je me débrouille, je mets ça dans un plat. Les vlogs, un jour sur deux, ouais, c'est une bonne chose parce que franchement, j'ai vraiment, mais vraiment l'impression que le contenu est plat, quoi. Je fais rien de ouf. Je fais même plus de création. Peut-être que ça va revenir. Peut-être que c'était les 8, 9, 10 premiers jours, le coup de s'être pris ça dans la tronche. Et peut-être que ça va revenir. Je l'espère parce que franchement, c'est un peu pénible. Bah, c'est ça. Voilà les petites saucisses. Oh, ça me dit rien du tout, moi, mais pas du tout. Oh. Ouais, je vais faire ces petites patates plutôt. Des pommes noisettes plutôt que les frites. Et voilà. Ça, je vais regarder quand même. Je la ferai bien au four, peut-être. De toute façon, je veux pas mettre de matière grasse, donc je vais mettre ça au four. Est-ce qu'ils mettent le temps? Je vous reprends le lendemain, donc ceci est normal. Je viens de faire ma petite vidéo TikTok. Hein. Je vous invite à aller voir. Je la mets à chaque fois sur Insta, donc ceux qui n'ont pas TikTok et je comprends, allez voir sur Insta, c'est plus simple. Bah, je voulais clôturer maintenant ce vlog avec vous. Aujourd'hui, c'est le jour des coursettes. J'en suis malade.
C'est ridicule, hein, mais j'en suis malade. Bon, je vous parle, je ne sais toujours pas si c'est lui, si c'est moi. Et bah, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Quoi d'autre? Bah, rien. Aujourd'hui, je vais faire quoi? Tout est au ralenti. Mais il faudrait que je me consacre à quelque chose de plus matériel, dans le sens rangement, tri. Ouais, ça serait une très très bonne chose. Et comme ça, quand je vous reprends demain, dans le vlog, je pourrais vous dire, voilà, je serais fière de vous dire, ça j'ai rangé, ça j'ai trié, ça j'ai fait. Vous voyez? Ça va être mon challenge. Je vous fais un énorme bisou, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Et bah, je vous fais un gros bisou, on se retrouve sur les autres réseaux sociaux, sur Insta, peut-être en live, bref. À très très vite. Salut!